On va te laisser commencer. Alors, c'est Frédéric Saint-Laurent qui va vous faire la présentation sur les véhicules électriques ce soir. Et puis, je pense qu'il va être bon pour se présenter lui-même. Il va faire ça très bien. C'est un pro. Et puis, c'est un gars électrique. Alors, à toi, On Frédéric. va voir. OK. Bon, donc, justement, comme c'est écrit sur la première image de présentation, je vois introduction aux véhicules électriques. Je dis introduction parce que c'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant très, très longtemps. Et là, mon clavier vient de décider de s'endormir, le petit comique. Bon, OK. Pourquoi ça ne veut pas avancer? Bon, OK. Donc, c'est ça. Donc, ça pourrait être un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures avant de réussir à avoir une bonne vue d'ensemble. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Question d'aider, j'ai tendance à des fois partir sur des tangentes. Donc, question d'aider, d'éviter les tangentes, on va essayer de prendre les questions à la fin. Si vous avez des questions, juste les noter sur un bout de papier, peu importe comme vous voulez. Puis après, on pourra prendre le temps de répondre aux questions. Donc, en gros, qui suis-je? Bon, je suis Frédéric Saint-Laurent. Je suis électromobiliste depuis 2018. Sinon, même depuis avant 2018, justement, j'étais bénévole à l'Association des véhicules électriques du Québec depuis 2013. Je participais à différents événements, je donnais de l'aide. Aussi, justement, j'étais responsable des statistiques depuis 2014 pour suivre l'évolution de la situation. À grandeur du Québec, justement, on recevait les données de la SAC, puis c'était question d'interpréter ces données-là et d'essayer de les faire parler. Et d'ailleurs, on continue encore justement à recevoir les données et à faire une mise à jour trimestrielle sur le sujet. Depuis novembre 2019, je suis maintenant directeur régional pour l'AVEC à Laval. Chaque région administrative a si on veut, une direction, puis certaines personnes qui s'occupent d'organiser des événements et de promouvoir l'électromobilité dans sa région. Donc, depuis novembre 2019, c'est moi qui suis directeur de Laval. Avant, c'était Annick Gionnet, France Cloutier et François Blais qui ont occupé ces rôles-là avant. Donc, plan de match pour le webinaire de ce soir. Les véhicules électriques, c'est nouveau pour bien les gens. Donc, on va essayer de couvrir, répondre aux questions principales, soit le pourquoi, le comment, une petite parenthèse sur la recharge, le combien ça coûte et est-ce qu'il y a un véhicule pour vos besoins. Et finalement, y a-t-il d'autres avantages que ce qu'on a énuméré jusqu'à date? Donc, le pourquoi. Mais le but principal d'un véhicule électrique, surtout dans la réalité d'aujourd'hui, c'est de nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du Québec, les gaz à effet de serre sont responsables de 44,8 % des émissions. Ça, des émissions, donc le budget, ben, les émissions totales de gaz à effet de serre, le transport en est responsable de 44,8 %. Donc, c'est presque la moitié de nos gaz à effet de serre au Québec qui sont émis par les transports. Bon, on sait tous qu'il y a plusieurs moyens d'aider à réduire les gaz à effet de serre à cause du transport, que ce soit le télétravail, qui est à un certain niveau presque parfait parce qu'on ne se déplace pas du tout, le transport actif, le transport en commun ou le covoiturage. C'est des moyens qui sont là depuis très longtemps, il y a différents groupes, différents gouvernements ou municipalités, peu importe, ils essayent tous de promouvoir ces différentes façons-là, question d'aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les embouteillages. Mais malheureusement, jusqu'à date, je dirais, surtout si on regarde le dossier des gaz à effet de serre, le succès n'est pas nécessairement au rendez-vous. Ça s'améliore, mais pas assez vite.
Si on regarde, pour mettre un peu de chiffres, des chiffres sur sur cette situation-là, le nombre de véhicules en circulation au Québec est passé de presque 6 millions en 2011 à maintenant, en 2019, presque 6 millions 700 000. Donc maintenant, en 2021, on doit avoir dépassé le 6 millions 700 000 facilement. Donc une très forte augmentation, beaucoup plus que la population dans le même temps. Au niveau des gaz à effet de serre, entre 1990 et 2018, les gaz à effet de serre dus au transport en général ont augmenté de 58,6 %. Et pour ce qui est des gaz à effet de serre émis par les transports lourds, durant la même période, ils ont augmenté de 190,3 %. Donc, autant dans un cas comme dans l'autre, l'augmentation des gaz à effet de serre, malgré les efforts qu'on diffère au niveau des transports, de réduire les cylindrées, d'essayer d'encourager les plus petits véhicules, et finalement, c'est juste les plus gros véhicules qui gagnent. Le monde s'achète de plus en plus de VUS, malheureusement. Tout ça ensemble fait qu'on n'y arrive pas, puis les gaz à effet de serre continuent à augmenter. Donc, bien qu'il faut continuer à promouvoir les autres solutions un peu plus classiques, transport en commun, transport actif, télétravail, et ainsi de suite, ça prend d'autres choses parce que sinon, on n'arrivera jamais à réduire les gaz à effet de serre à temps et finalement, ben, il va faire trop chaud. L'ajout des véhicules électriques si on veut, à la recette des solutions ou aux outils, c'est un des outils parmi tant d'autres pour réussir à émettre nos gaz à effet de serre, est un outil très intéressant. L'avantage des véhicules électriques par rapport aux autres, ben, je dirais le principal avantage par rapport aux autres moyens pour aider à réduire les gaz à effet de serre au niveau du transport, c'est que ça minimise les changements d'habitude, de vie des gens. Donc, transport actif, ça l'implique, ben, il faut partir plus tôt, ben, il faut se mettre en forme pour ceux qui ne sont pas en forme. Télétravail, ben, c'est un changement de A à Z, bon, et ainsi de suite. Alors que finalement, pour un véhicule électrique, il n'y a à peu près pas de changement à faire à ses habitudes de vie et on peut réussir à se déplacer en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'avec un véhicule à essence. Ce n'est pas zéro, c'est clair, mais c'est beaucoup, beaucoup moins. Ça peut également participer ou non, ça peut également aider à rendre le transport en commun plus agréable qu'il l'est en ce moment. Par exemple, un autobus diesel, ben, ça fait énormément de bruit et ça a une odeur plutôt pas très bonne, alors qu'un autobus électrique, on règle le problème du bruit, on règle le problème des odeurs, il n'y a plus de vibration, et finalement, on se ramasse avec un transport en commun qui est encore plus agréable qu'il peut l'être aujourd'hui. Également, ça peut aider à rendre certains moyens de transport actifs. Par exemple, le vélo électrique. Ben, un vélo électrique, ça demande moins d'efforts pour finalement une empreinte écologique à peine supérieure à un véhicule standard. Puis ça permet aussi, justement, surtout si c'est un vélo à assistance électrique et non pas un vélo qui conduit tout seul électrique, ben, ça permet de réduire l'effort à l'aide d'un code tout en permettant de continuer à faire de l'exercice et se tenir en forme. Et également, ça permet de réduire, ben, de beaucoup les émissions de gaz à effet de serre pour les véhicules lourds. Parce que, justement, comme on a vu tantôt, les véhicules lourds émettent de plus en plus de gaz à effet de serre depuis 1990. Ben, ça permettrait de potentiellement réussir à réduire cette tendance-là pour finalement l'amener à presque zéro aussi. Bon, quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à là, j'ai été un peu, au niveau des bénéfices, j'étais un peu vague. La raison principale, c'est parce qu'il y a énormément de critères pour eux. Il faut venir quand comparer le véhicule électrique au véhicule à essence. C'est probablement la meilleure façon de faire une comparaison pour réussir à établir c'est quoi le lien. Puis pour faire cette comparaison-là, pour avoir une bonne comparaison, il y a une panoplie de choses à tenir en compte. Il faut venir qu'à tenir en compte les matériaux utilisés dans la construction du véhicule. Il faut tenir en compte l'énergie utilisée pour construire ce véhicule-là et la provenance de l'énergie utilisée pour produire les véhicules et extraire les matériaux. Dans le cas d'un véhicule électrique, il faut également tenir en compte l'impact environnemental de la production d'électricité. Il faut tenir en compte l'efficacité de toute la chaîne de transmission de la production d'électricité jusqu'à temps qu'il se ramasse dans la batterie de votre véhicule. Et dans le cas d'un véhicule à essence, il faut tenir en compte l'impact environnemental de l'extraction du pétrole, du raffinage, de l'énergie nécessaire au raffinage, le transport de ce pétrole-là jusqu'aux stations-service,
ainsi qu'une panoplie d'autres facteurs. Et autant dans un cas comme dans l'autre, il faut considérer l'efficacité du véhicule à utiliser soit l'électricité ou le pétrole pour réussir à faire avancer le véhicule, qui après tout est le but d'un véhicule, un véhicule automobile. Si, bon, il y a plein de facteurs, donc il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet, puis ces études-là, entre autres, les facteurs, il y a plusieurs des facteurs qui sont régionaux. Meilleur exemple, nous au Québec, on est chanceux, dis-je. On a une hydroélectricité qui est presque à 100% renouvelable, puis qui émet à peu près plus de gaz à effet de serre. Certains qui avaient eu lors de la construction des barrages, mais une fois que le barrage est construit, les émissions sont très, très, très minimes. Donc, je vois, on a une énergie très verte. Donc, il y a une étude qui a été faite par le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Pour établir justement c'était quoi l'empreinte énergétique d'un véhicule, ben énergétique, je dis environnemental, dis-je, d'un véhicule électrique versus d'un véhicule à essence. Puis si on va chercher le point principal de cette étude-là, c'est principalement justement qu'un véhicule électrique produit 80% moins de gaz à effet de serre sur son cycle de vie de 300 000 km versus un véhicule à essence. Puis une autre chose aussi à tenir en compte, c'est que ça, c'était le portrait de la situation en 2016. On est maintenant en 2021, ça fait déjà 5 ans de ça. Mais s'il y a quelque chose, dans le pire des cas, la situation est égale à ça. Fort probablement que la situation en fait beaucoup mieux que ça pour deux principales raisons. Premièrement, depuis 2016, il y a beaucoup plus de véhicules électriques. Donc, les procédés de fabrication de batteries se sont améliorés. On trouve des nouveaux matériaux qui sont moins chers, plus disponibles, donc plus faciles à extraire, donc qui demandent moins d'énergie à produire et tout. Donc, la fabrication des batteries, maintenant, devrait demander beaucoup moins d'énergie et de matières premières qu'elle demandait en 2016. Et exactement à l'inverse de ça, le pétrole est de plus en plus rare. Le pétrole est de plus en plus compliqué à aller chercher. De plus en plus compliqué à raffiner et ainsi de suite. Donc, finalement, le même litre de pétrole a maintenant un impact environnemental beaucoup plus gros aujourd'hui en 2021 qu'il pouvait l'être en 2016 ou même qu'il l'était encore dans le passé. Et il n'y a rien qui pointe à l'horizon pour nous dire que le pétrole va être maintenant plus facile à se procurer, plus facile à extraire et qu'il va faire moins d'émissions. Une fois de plus, toutes les études à ce sujet-là et les prévisions nous disent que ça va être le contraire, ça va devenir de pire en pire. Donc, on peut dire de façon assez conservatrice qu'un véhicule électrique émet 80% de moins de gaz à effet de serre sur son cycle de vie entier versus un véhicule à essence. Donc, maintenant qu'on a établi que ça pouvait être bon sur l'environnement, est-ce que ça peut répondre à nos besoins et comment ça peut répondre à nos besoins? En gros, il existe deux types de véhicules électriques. Il y a les véhicules 100% électriques qui, comme on l'a dit, sont 100% électriques. Donc, en gros, on recharge la batterie et on roule. C'est l'énergie, l'électricité est mise dans une batterie et un moteur électrique prend l'énergie de cette batterie-là pour nous faire avancer. Il y a également les véhicules hybrides rechargeables. C'est hybride électrique et à essence. Donc, l'utilisation, finalement, de façon journalière, est plutôt similaire. C'est on recharge la batterie et on roule. Vu que la batterie est plus petite, par exemple, de temps en temps, la batterie va être vide ou presque vide. Et à ce moment-là, un moteur à essence embarque pour prendre le relais et nous permettre de continuer nos trajets. Et vu qu'un moteur à essence, il faut rajouter une autre étape de plus aux habitudes quotidiennes qui est moins souvent que pour un véhicule à essence, même des fois, il peut y avoir plusieurs mois d'intervalle entre chaque plein d'essence, mais il faut quand même faire le plein d'essence un peu de temps en temps parce qu'il y a quand même un petit peu d'essence qui est utilisé. Il existe aussi les véhicules hybrides, qu'il y en a qui disent que c'est des véhicules électriques, mais les véhicules juste hybrides qu'on ne peut pas brancher dans le mur, que si on veut, ne sont pas propulsés par Hydro-Québec, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Association des véhicules électriques du Québec. Et la plupart des gens qui parlent des véhicules électriques de façon moindrement sérieuse, ils ne considèrent pas les véhicules hybrides tout court comme des véhicules électriques. C'est une bonne amélioration sur le véhicule à essence traditionnel, ça c'est certain. Ça a l'air de consommer moins d'essence. Mais malgré tout, sans essence, tu vas nulle part. Ou si tu peux aller un petit peu plus loin, ben, tu vas vider ta batterie, ce qui fait que finalement, le reste du trajet qui suit va juste te consommer plus d'essence. Donc, en bout de ligne, ça prend de l'essence pour avancer avec ces véhicules-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne les considère pas comme des véhicules électriques. Bon, il y a deux types de véhicules électriques, comme j'ai dit tantôt. Maintenant, comment savoir lequel choisir? Bien, en gros, ça dépend de vos besoins. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses.
Le véhicule est hybride rechargeable peut être une alternative intéressante dans certains cas. Comme par exemple, si vous êtes un foyer qui a un seul véhicule et que vous faites de façon générale des petits trajets. Si vous faites un trajet justement qui n'est pas trop long de façon journalière, vous allez d'habitude pouvoir rester à l'électrique et seulement lors de vos plus longs trajets, vous allez utiliser un peu d'essence. Donc, au total, la quantité d'essence que vous allez utiliser n'est pas trop haute. Un autre cas aussi que ça peut être intéressant d'aller avec un véhicule hybride rechargeable, c'est si vous n'êtes pas certain de tout le temps pouvoir vous recharger. Par exemple, vous êtes en appartement et vous n'avez pas tout le temps accès à une borne de recharge ou un stationnement sur la rue et les bornes de recharge sont plutôt loin. Ben, c'est ça. Donc, ça pourrait être une alternative intéressante dans ces cas-là. Ou si vous êtes du genre à aller souvent hors des sentiers battus au milieu de nulle part, puis il n'y a pas âme qui vive ni station de recharge près de vous. Puis vous voulez quand même commencer à y aller un peu vers l'électrique, ben ça peut être une autre alternative intéressante. Ou juste si vous êtes insécure au fait d'avoir juste l'électricité, plutôt que d'y aller avec le noir ou blanc, donc 100% électrique ou essence, ben il existe une solution entre les deux qui vous permet de faire une bonne partie électrique et de faire le reste à essence. Et il y a aussi les véhicules 100% électriques. En fait, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais le cas où c'est le plus avantageux d'avoir un véhicule 100% électrique, c'est plus vous faites de distance. Parce que plus vous faites de distance, plus vous allez connaître. Ben, je ne parle pas de faire de distance pour le plaisir, mais plus vos déplacements que vous avez besoin de faire, fait que vous avez beaucoup de distance à faire, ben finalement, plus vous allez faire l'économie d'essence, plus vous allez sauver sur l'entretien du véhicule. Faisant des économies d'essence au niveau monétaire, vous faites aussi des économies de gaz à effet de serre. Donc, à ce niveau-là, ça devient de plus en plus intéressant d'avoir un véhicule 100% électrique. Évidemment aussi, c'est tout le temps beaucoup plus simple d'avoir un véhicule électrique si on a une borne de recharge qu'on peut installer à la maison. Je vais parler un petit peu de la situation de la recharge dans pas long. Aussi, un autre cas qui peut être intéressant d'avoir un véhicule 100% électrique, c'est si vous avez déjà deux véhicules à la maison. Si vous avez deux véhicules et que vous voulez en changer un, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est d'opter pour un véhicule électrique avec une plus petite batterie ou même un véhicule électrique usagé, qui ont justement souvent des plus petites batteries. Donc, même si ce véhicule-là n'aura pas un 400-500 km d'autonomie, mettons qu'il a juste un 150-200, mais ça vous permet quand même de faire une très, très grande majorité de vos trajets. Puis la plupart des fois du monde que je connais qui avaient deux véhicules à essence dans leur foyer, puis qui n'ont remplacé un, ils n'ont pas sauvé l'essence sur seulement un véhicule. Ils ont sauvé l'essence sur un véhicule et demi, parce qu'ils se ramassaient qu'ils prenaient le plus souvent possible le véhicule électrique, si ce n'est que soit pour l'argent ou pour l'environnement, les deux étaient gagnants. Puis finalement, le véhicule à essence était de beaucoup moins utilisé, puis était seulement utilisé soit dans les très, très longs déplacements où ce qu'il ne voulait pas s'arrêter recharger, ou ben, s'il avait besoin des deux véhicules en même temps, ben là, dans ce cas-là, il prenait les deux. Un véhicule électrique au niveau de son utilisation de tous les jours, ben, finalement, c'est assez simple. Ça ressemble beaucoup à un véhicule standard à deux petites différences près. En partant le matin, ben, il faut le débrancher avant de partir. On conduit, on fait notre journée, on l'utilise comme un véhicule à essence standard et quand on revient à la maison, on le rebranche. Finalement, c'est un mix entre un téléphone cellulaire et un automobile. Donc, le téléphone cellulaire, on le branche le soir avant de se coucher, puis on le débranche le matin, puis il est rechargé. Ben, c'est un peu similaire finalement qu'un véhicule électrique. C'est juste que c'est beaucoup plus gros qu'un téléphone cellulaire. D'où l'importance finalement de choisir un véhicule électrique pour ses besoins qui tient en compte vos besoins de déplacement journalier. L'idéal, justement, c'est ben, autant pour un 100% électrique que pour un hybride rechargeable, c'est d'avoir un modèle qui vous permet de couvrir la majorité de vos déplacements journaliers avec une recharge de batterie. Si vous travaillez un peu plus loin de la maison, justement, puis que vous avez des bornes de recharge au travail, parce qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui fournissent justement des bornes de recharge à leurs employés, bien, ça peut aussi vous permettre d'opter pour un véhicule avec une plus petite batterie, donc moins cher et impact environnemental plus basse. Il est également bon, justement, quand vous faites ces calculs-là d'autonomie pour choisir votre véhicule, de tenir en compte que l'hiver, vous allez avoir besoin de plus d'autonomie. Deux raisons principales. La chimie de la batterie n'est pas tout à fait aussi efficace par temps froid.
On a tous eu un téléphone qu'on a oublié dans notre poche extérieure de manteau qui ne voulait plus marcher partout, même si la batterie est encore pleine. Ce n'est pas aussi pire avec un auto électrique. Au contraire, les auto électriques, justement, ils ont été conçus pour tout le temps bien marcher, peu importe le froid, mais ça impacte quand même la réaction chimique de la batterie. Et il y a aussi le chauffage, la densité de l'air. Il y a plein de facteurs qui font que ça demande plus d'énergie, un peu comme pour un véhicule à essence, mais ça en prend un peu plus. Généralement, on peut s'attendre à une perte d'autonomie d'à peu près 30% l'hiver. Et dans les gros, gros froids ou les grosses tempêtes avec plein de la neige pesante, ça peut aller jusqu'à 50% dans ces deux cas-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de planifier. Si, disons, dans ces grosses conditions extrêmes, ça ne vous dérange pas de faire un petit arrêt recharge ou de prendre de l'essence avec un véhicule hybride rechargeable, ça va, vous n'êtes pas obligé de considérer le 50%, vous pouvez peut-être vous limiter un peu plus bas aussi. Ça dépend vraiment des besoins, des goûts, des préférences de chacun. Puis autant, dans le cas d'un hybride véhicule, d'un hybride rechargeable, si justement vous faites un peu plus de déplacements dans votre journée, où les conditions météorologiques sont un peu pires que dans les conditions optimales, bien, vous allez utiliser de l'essence. C'est pas le fun, mais ça vous permet quand même de vous rendre à destination sans problème. Avec un véhicule 100% électrique, au lieu d'utiliser de l'essence, il faut juste prévoir un petit arrêt à une borne de recharge rapide. Et des bornes de recharge rapide, il y en a de plus en plus à travers le Québec. Puis même en fait, à Laval, il y en a, si je me rappelle bien, à 7-8 endroits, il y a des bornes de recharge rapide. Et il y en a une justement en ce moment qui est soit en construction ou qui devrait bientôt commencer à entrer en construction. Donc, justement, je parle de recharge. Donc, petite parenthèse sur la recharge. C'est pas que la recharge, c'est compliqué. C'est juste que c'est différent que ce qu'on a toujours été habitué. Donc, d'où l'importance d'en parler un peu. Il existe, on veut, plusieurs types de recharge. L'essence, il y a un type d'essence, tu fais attention. Il y a une façon de mettre de l'essence, tu fais attention de l'essence, tu mets de l'essence. Au niveau de la recharge, il y a un seul type d'électricité, mais il y a différentes façons, si on veut, de le mettre dans l'auto. La recharge la plus simple, si on veut, c'est la recharge à la maison, puis c'est la plus pratique. Au niveau de la recharge à la maison, il y a la recharge à la maison sur le bon vieux 120 volts, appelé le niveau 1, c'est son nom officiel. Chaque véhicule électrique vient avec une borne de recharge portative qui vient avec l'auto. Donc, ça, c'est pratique, ça peut marcher chez vous, puis ça, en fait, ça marche chez vous, puis ça peut marcher chez n'importe qui que vous allez chez un ami, de la parenté, vous allez souper là, passer une couple d'heures, un feu de camp, peu importe, puis il vous manque un petit peu d'autonomie pour revenir à la maison, bien, vous pouvez vous plugger sur le 120 volts, puis vous donner un peu de recharge. Et la raison pourquoi j'ai un peu de recharge, c'est parce que ce n'est pas nécessairement extrêmement rapide. On parle d'à peu près 7 km par heure. Chaque heure que vous passez à recharger va vous donner à peu près un 7 km d'autonomie. Ce n'est pas énorme, mais après une couple d'heures, ça peut vous donner justement ce que vous avez besoin. Ou si justement, c'est surtout des gens avec des hybrides rechargeables qui vont utiliser cette borne-là. Ben justement, si au pire aller, vous n'avez pas le temps de tout recharger la batterie avant le lendemain matin ou vous repartez, vous avez toujours de l'essence disponible. Fait que c'est un peu moins stressant à ce niveau-là. C'est également bon de tenir en compte que les bornes de recharge portatives, ça recharge un petit peu plus lent l'hiver, mais c'est aussi bon de tenir en compte que les bornes portatives qui viennent avec les véhicules sont un peu plus lentes parce qu'elles n'ont pas été conçues pour une utilisation intense l'hiver dans toutes les pires conditions. Il y a des véhicules qui viennent avec des bonnes bornes, il y en a d'autres avec des moins bonnes, ça peut varier. C'est pour ça que si vous pouvez, il y a un autre type de borne un peu plus permanente qu'on fait installer à la maison qui peut être une alternative intéressante. On voit ici justement un exemple de ma Kia Soul 2016 avec la borne de recharge portative qui venait avec connectée au mur. Donc, ça, si je veux, je peux me recharger comme ça. Je ne me recharge pas comme ça chez nous, mais des fois sur la route, effectivement, si je vais chez quelqu'un, je peux me recharger de même pendant les quelques heures que je suis chez la personne. Il y a également une recharge encore à la maison, mais appelée recharge niveau 2. Donc, ça, finalement, c'est une borne sur le 240 volts que vous faites installer à la maison. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ça vous permet de vous recharger à peu près de 20 à 50 km de gain d'autonomie par heure de recharge. Puis, il y a beaucoup de ces bornes-là qui ont été conçues au Québec pour nos hivers ou nos climats rigoureux. Le câble va rester relativement flexible l'hiver. Ils vont pouvoir résister à des chocs, des accroches qui ne craqueront pas en les regardant. Donc, ils sont vraiment conçus pour nos climats ici. Puis justement, donc ça, c'est vraiment des bornes que vous allez pouvoir utiliser sans souci. Et un autre petit avantage, c'est que vous pouvez laisser la borne portative, vous pouvez la laisser dans l'auto
pour les au cas où les besoins surprises de recharge chez justement chez ma tante Georgette, ben, ça vous permet d'utiliser la borne de recharge portative. Le petit désavantage, parce qu'il y a toujours des pour et des contre, c'est ça. Si on parle d'une installation de 240 volts dans votre garage ou à l'extérieur, c'est rare qu'il y ait du monde qui a du 240 volts dans leur garage ou à l'extérieur. Donc, ça va nécessiter des travaux par un électricien. Il faut aussi acheter la borne, mais il y a un programme gouvernemental du gouvernement du Québec qui vous permet d'un petit rabais de 600 $ là-dessus. Donc, en bout de ligne, le prix devient quand même acceptable et pour personnellement, tous les avantages que ça a, la commodité, la tranquillité d'esprit et tout, si vous pouvez vous faire installer une borne à la maison, ça vaut définitivement la peine. Et on voit ici justement la même Kia Soul 2016 dans la même entrée de cours en train de se faire recharger avec une borne Flow ici, justement, qui est un modèle de borne québécoise. Donc, un peu similaire à la recharge à la maison. Puis en fait, quand je dis un peu similaire, c'est parce que techniquement, c'est les mêmes styles de bornes, c'est les mêmes protocoles, les mêmes mécanismes et tout. Il y a des bornes à destination, donc soit dans des commerces ou au travail. Donc, c'est les mêmes styles de bornes et tout, c'est juste sont généralement faites plus solides, plus durables. Même les bornes à la maison, justement, d'habitude, sont quand même très durables, mais l'utilisation du public est toujours un peu plus intense que l'utilisation individuelle. Ces bornes-là aussi vont souvent faire partie d'un réseau. Par exemple, il y a le réseau du circuit électrique, le réseau Flow. Ça, c'est les deux gros réseaux au Québec. Et on ne peut pas, malheureusement pas payer qu'une carte de crédit. Il faut payer avec une carte RFID du réseau ou via une application sur son téléphone cellulaire. Donc, il faut préalablement s'abonner à ce réseau-là. Justement, les circuits électriques et Flow sont interopérables. Fait que si tu es abonné à un, tu peux utiliser les bornes de l'autre et vice-versa. Fait que ça, ce n'est pas un problème. Il y a également des fois des bornes gratuites dans les commerces qui viennent dans ça. D'habitude, c'est des bornes exactement comme chez les gens, donc des plus petites bornes justement, qui coûtent un peu moins cher. Dans ce temps-là, l'étiquette, si on veut que si vous utilisez cette borne-là, que vous allez encourager le commerçant pour l'aider à payer un petit peu l'électricité et le remercier d'avoir installé la borne pour vous. Puis aussi, comme je disais tantôt, il y a des fois aussi plusieurs bornes au travail. Puis souvent, l'ensemble, la recharge est gratuite. Bien, là, à l'inverse, c'est l'employeur qui vous paye, mais bon, ça fait partie des avantages sociaux. On voit ici justement une borne à gauche du circuit électrique comme qu'on retrouve dans plusieurs commerces. Et à droite, ça, c'est des bornes sur rue, une fois plus du circuit électrique. On les retrouve surtout à Montréal, mais probablement qu'on va commencer à les retrouver de plus en plus aux endroits où les gens n'ont pas d'entrée de cours personnelle donc, et qui se stationnent beaucoup sur le bord des rues. Donc, ces bornes-là vont probablement commencer à devenir de plus en plus communes et vont pouvoir être utilisées pour les personnes qui n'ont pas leur propre entrée de cours pour quand même pouvoir avoir un véhicule électrique et se déplacer en émettant moins de gaz à effet de serre. Tantôt, je parlais de recharge rapide. Il existe justement des bornes de recharge rapide qui sont de très haute puissance comparées à ce que vous avez à la maison. Les bornes rapides, d'habitude, vont être entre 50 kW et 350 kW de puissance. Donc, puis pour donner un ordre de grandeur, 50 kW, c'est la puissance maximale de ce qui peut rentrer dans la plupart des maisons. Puis les condos, c'est deux fois ce qui rentre dans la plupart des condos. Donc, c'est vraiment beaucoup de puissance pour recharger un seul véhicule. L'avantage de ces bornes-là, c'est que dans des longs trajets, ça vous permet de vous recharger relativement rapidement. En fait, ça vous permet de vous recharger d'à peu près 10 % à 80 % en dedans d'une heure. Puis le temps de recharge varie un peu d'un véhicule à l'autre. Il y a certains véhicules, justement, qui sont un peu mieux, qui permettent de se recharger un peu plus rapidement que les autres. Et ces bornes-là sont généralement positionnées le long des longs axes routiers pour vous permettre de justement réduire le temps pour faire votre arrêt de recharge. Finalement, vous sortez de l'autoroute, vous vous rechargez, vous rembarquez sur l'autoroute. Le désavantage, c'est que justement ces bornes-là reviennent plus chères à construire, à installer en électricité et tout. Donc, ils reviennent un peu plus chers à l'utilisation, mais aussi, il y en a moins. Malgré tout, je dis qu'il y en a moins. Le Québec est probablement, en Amérique du Nord, avec la Californie, on est probablement les deux plus choyés en termes de bornes de recharge rapide. Puis, j'en ai peut-être un peu plus que la Californie, parce qu'on a un réseau, le circuit électrique, qui n'avaient pas juste comme mission de faire de l'argent ou de les mettre à quelques places stratégiques, mais à quelques places où il y a beaucoup de monde. Ils ont vraiment pris soin de couvrir l'ensemble du territoire québécois et il y a juste quelques endroits qui sont
qu'il y a des petits trous où ce qu'on ne peut pas aller. Là. Mais sinon, la majorité du, très grande majorité du territoire québécois est couvert avec des bornes de recharge rapide. Il existe un petit côté malheureux, mais bon, c'est en train de se résoudre. Il existe deux standards. Il y a le standard CHAdeMO, qui est là, ici le connecteur à gauche, et le standard SAE Combo, celui ici à droite. C'est un petit peu le bêta VHS, et comme tout bon bêta VHS, il y a un VHS qui est en train de gagner, et le VHS, c'est le CCS, excusez, le SAE Combo. Qui est en train de gagner. Malgré tout, toutes les bornes au Québec en ce moment ont les deux types de ports de recharge, de pistolets de recharge, ils supportent les deux standards, et ça risque d'être encore de même pour plusieurs années. Donc, disons que vous trouvez une automobile dans l'usager, justement, qui a un connecteur CHAdeMO, surtout si vous visez principalement le Québec avec ce véhicule-là, en fait, j'en ai un. La Leaf, elle a un connecteur CHAdeMO et ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ce n'est pas un problème. Le Québec va continuer à avoir des connecteurs CHAdeMO disponibles pour encore plusieurs années. Et on a ici justement un exemple de superstation du circuit électrique où il y a quatre bornes de recharge rapide. On peut voir que sur chaque borne, justement, il y a deux câbles. Il y a un câble qui est le SAE Combo et l'autre câble qui est le CHAdeMO. Un seul câble peut être utilisé à la fois. Donc, vous ne pouvez pas être deux personnes brancher ces deux câbles, ça ne marchera pas. Le premier connecté, c'est celui qui va marcher. C'est tout. Mais c'est ça. Donc, ici, finalement, il peut y avoir quatre véhicules qui se rechargent simultanément. Pour les plus longs trajets, si vous êtes autour de chez vous, vous allez peut-être pouvoir commencer à connaître par cœur l'emplacement des bornes, ou si vous êtes sur un certain trajet que vous faites souvent, vous allez aussi connaître par cœur où sont les bornes. Mais si vous aventurez à de nouveaux endroits, il va falloir que vous trouviez les bornes. Pour les plus longs trajets dans les nouveaux, hors des sentiers battus, si on veut, ou des endroits que vous n'êtes pas habitué d'aller, probablement, surtout si vous êtes au Québec, dans les Maritimes ou le sud-est de l'Ontario, l'application du circuit électrique sur votre téléphone est probablement la meilleure option. Ça vous permet de rentrer le modèle de votre véhicule, vous rentrez votre endroit de départ, votre destination, il va pouvoir faire le trajet, ça supporte Android Auto, Apple CarPlay. Ça tient en compte les heures d'achat, ça tient en compte une panoplie de facteurs pour vous dire où vous arrêtez, vous recharger pour finalement avoir le moins de soucis possible sur votre itinéraire. Si vous sortez du Québec, puis mettons, vous voulez aller jusqu'à. C'est ça, vous voulez aller jusqu'à Miami, ce n'est pas un problème. L'application de circuit électrique ne pourra pas vous aider pour vous rendre jusqu'à Miami, mais il y a plein d'autres sites web ou applications qui peuvent vous aider. Moi, personnellement, je vous recommande le Better Route Planner. Il est vraiment très complet. Vous pouvez rentrer votre modèle d'auto. Il y a un panoplie d'autres facteurs. Vous pouvez rentrer la température, le vent, le poids dans votre véhicule, un paquet de facteurs, puis il va essayer de calculer l'itinéraire le plus précis possible, incluant combien de temps vous allez prendre à vous arrêter et vous recharger. Il y en a d'autres aussi, PlugShare, ChargeUp, puis il y en a vraiment beaucoup. Mais je dirais les deux principaux, c'est pour le Québec, l'application de circuit électrique. Puis si vous voulez sortir du Québec, surtout aux États-Unis, abetterrouteplanner.com est un très bon site. Puis aussi une application sur téléphone mobile, mais moi personnellement, j'utilise surtout le site Internet. L'utilisation des véhicules électriques sur un plus long trajet, bon, il y a des petits avantages, jamais rien de parfait, donc c'est certain que ça va vous demander un peu plus de planification. Malgré qu'il y a certains véhicules électriques qui permettent de littéralement vous rentrer à destination puis calculent où vous arrêtez vous recharger. Ce n'est pas tous les véhicules électriques qui font ça. S'il ne le fait pas, justement, il faut que vous preniez votre application, que vous planifiez un peu. Puis aussi, il faut regarder justement les bornes, vous assurer que vous pouvez payer pour ces bornes-là, pour les bornes qui font partie de réseaux qui ne prennent pas les cartes de crédit. Puis ça va peut-être aussi vous demander un peu plus d'arrêts pour arrêter vous recharger. Mais si on fait coordonner ces arrêts-là avec le temps du repas ou une pause pipi, finalement, c'est malgré tout pas si pire. Ça ne rajoute pas trop de temps. Ici, pour vous, la durée, vous faites souvent les longues distances puis vous voulez les faire dans le moins de temps possible. Il y a certains modèles de véhicules qui ont des temps de recharge meilleurs puis qui vont vous aider à réduire la quantité de choses à vous préoccuper et qui vont vous permettre de faire le trajet le plus vite possible. Au niveau des avantages, bon, il y en a qui diraient, tu dis n'importe quoi, Fred, là, mais ça a quand même été prouvé. Il y a plusieurs études qui ont prouvé que c'est bon de prendre des arrêts après une couple d'heures à conduire. Donc, le véhicule électrique vient qu'à chaque 2, 3, 4 heures, tout dépendant de votre véhicule électrique, mais va vous forcer à prendre un arrêt pour recharger le véhicule électrique.
Puis ben, pendant que l'arrêt, le véhicule recharge, ça permet à votre tête, votre concentration d'aller faire d'autres choses et vous pouvez retourner sur la route plus reposé et plus sécuritairement par la suite. Petite parenthèse sur Tesla. Depuis tantôt, on parlait de bornes en général et on parlait de véhicules en général. N'importe quel véhicule marchait avec n'importe quelle borne, c'était pas un souci. Arrive Tesla. Les véhicules Tesla ont plein d'avantages, plein de choses de fun, mais ils ont leur propre connecteur. Comme vous voyez ici, l'image est différente des images que je vous ai montrées tantôt. C'est un connecteur différent. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un véhicule quelconque sur une borne faite pour les Tesla. Et inversement, une Tesla doit utiliser un adapteur pour utiliser les bornes standards. Et un peu pareil comme pour le circuit électrique, Tesla ont un réseau public avec deux types de bornes. Ils ont les chargeurs à destination, que ça, justement, c'est des chargeurs que Tesla ont donnés gratuitement à différents établissements qu'ils ont demandé. Ils leur fournissent gratuitement le chargeur. Leur établissement est rentré justement dedans les systèmes de Tesla pour proposer des arrêts de recharge aux conducteurs d'auto-Tesla. Puis finalement, l'établissement quelconque, eux, s'engagent à rendre la borne disponible à leur clientèle. Aussi, même Tesla, en fait, dans la catégorie bonne foi puis bon joueur, malgré le fait qu'ils ont un connecteur approprié spécifique à leur véhicule, ils vont même aussi souvent fournir des bornes standards que n'importe quel véhicule peut également utiliser gratuitement. Ils ont également un réseau de bornes de recharge rapide. Désolé, deux secondes. Ils ont également un réseau de bornes de recharge rapide qui est le réseau de Supercharger. Donc ça, c'est un réseau mondial. Pour ce qui nous intéresse, finalement, il couvre l'Amérique du Nord. Donc, il couvre très bien le Canada, les États-Unis et même de plus en plus le Mexique. C'est un réseau haute puissance. On parle généralement d'autour de 150 kW, puis ça va jusqu'à 250. Si on se rappelle, les bornes de recharge tantôt que je parlais, ça allait de 50. La majorité sont à 50, puis ça commence à se diriger vers le 350. Il y a aussi beaucoup de bornes par site. Leurs plus petits sites ont 4 bornes, puis ça peut aller jusqu'à 56 bornes à certains endroits en Californie. Puis ça permet de réduire au minimum les désavantages des longs trajets en réduisant le temps de recharge. Il y a plein de bornes, l'autocalcul tout seul où s'arrêter de se recharger. Donc, c'est quasiment l'équivalent d'un véhicule à essence pour les longs trajets. Et on voit justement ici un exemple d'une borne, ça c'est à gauche d'un supercharger de Tesla. Et à droite, c'est un chargeur à destination qui, d'après l'image, je dirais que ça semble être un verger à l'automne, quelque chose dans le style. Donc, c'est bien beau, c'est le fun pour l'environnement, ça marche bien, ça satisfait nos besoins, mais est-ce qu'on peut se le payer? Bon, c'est certain que c'est un automobile. Ça ne sera jamais aussi avantageux au niveau du prix que le transport en commun ou les transports actifs, ça c'est clair. Un véhicule, bon, c'est certain que les véhicules électriques peuvent être un peu plus chers à l'achat, mais dès qu'on va commencer à l'utiliser, après un certain temps, tout dépendant des véhicules, les comparaisons qu'on fait et tout, mais ça va revenir moins cher si on choisit moindrement le véhicule pour ses besoins. C'est ça. Puis même dans certains cas, en fait, même à l'achat, ils peuvent revenir moins cher. Prenons ce cas-là ici, cet exemple-là. Une Prius Prime, qui est un hybride rechargeable dans la colonne de gauche, une Prius standard, si on veut, dans la colonne du milieu, et une Corolla hatchback. Dans tous les cas, c'est des véhicules... Question d'essayer de comparer le plus possible des pommes avec des pommes. C'est tous des véhicules Toyota, puis c'est tous dans chacun... l'équipement de base, donc le moins d'options possible, et c'est tous des véhicules comparables en termes de format. Donc, on peut voilà, aller à travers les chiffres pour prendre bien du temps, donc on va faire ça vite, on va regarder le highlight. Donc, le total à l'achat, on peut voir que la Prius Prime revient moins cher que la Prius standard à l'achat, principalement grâce à la subvention de 6 500 des deux paliers de gouvernement, mais elle revient quand même plus cher que la Corolla hatchback de quasiment... un bon 8-9 000 de plus. Mais, par exemple, après l'avoir roulé sur 120 000 km sur 6 ans, ben, finalement, elle est encore moins chère que la Prius Prime, elle l'était à l'achat, fait que c'est certain qu'elle va être encore moins chère parce qu'on a sauvé, le niveau de l'essence. Justement, on se ramasse au niveau carburant à 2 600 versus 7 000 pour la Prius juste hybride et versus 10 000 pour la Corolla hatchback. Donc, au total, on est moins cher que la Prius Prime, puis à peine plus cher que la Corolla hatchback. Mais dès qu'on va peut-être rouler 7 ans ou un peu plus, 8 ans, puis c'est du Toyota, fait que c'est bon, 15 ans facilement dans tous les cas, vous allez rentrer dans votre argent, c'est aucun souci. Et ça vous
Puis il y a même certains cas où vous allez sauver un peu plus d'argent. Si vous faites beaucoup de petits déplacements, puis vous pouvez souvent vous recharger, bien, la partie essence va être beaucoup plus basse pour un petit peu plus d'électricité. Similairement, si on regarde dans le 100% électrique, on pourrait prendre, par exemple, la Chevrolet Bolt avec le Chevrolet Trax. Les deux, c'est une fois de plus, c'est des formats de véhicules similaires. On peut voir qu'à l'achat, surtout le prix de détail est beaucoup plus élevé, mais on a 13 000 $ de rabais des deux paliers de gouvernement. Donc, finalement, oui, à l'achat, c'est encore plus cher. On vient à 36 000 versus 27 000. Mais une fois qu'on roule le véhicule pendant 6 ans sur 120 000 km, on se ramasse à 540 par mois pour la Bolt, alors qu'on se ramasse à 555 pour le Trax. Et ça, ça vient principalement dû au fait que ça a coûté 12 000 d'essence avec le Trax, alors que ça va en coûter seulement 2 300 avec la Bolt en électricité. Si maintenant on essaye de regarder les économies, maintenant que ça s'applique en général, si on veut les points principaux à garder à l'esprit, c'est qu'au 100 km, un véhicule à essence va vous coûter à peu près 10,40. Si on parle d'un véhicule à essence qui consomme du 8 litres au 100, ça va vous coûter à peu près 10,50, 10,40 en essence, alors qu'un véhicule électrique va vous revenir à peu près pour la même distance à 1,94, disons 2 $. Ça va revenir à 2 $ au 100 km, donc finalement un peu plus que 5 fois moins cher. Et si le prix de l'essence continue à augmenter, bien, vous allez sauver encore plus d'argent. Toujours bon à garder à l'esprit que les bornes de recharge rapide coûtent un peu plus cher que de recharger à la maison, parce que l'autre prix que je vous ai donné avant, c'est le prix de recharge à la maison. Donc, les bornes de recharge rapide coûtent un peu plus cher, mais la plupart du temps, vous allez vous recharger à la maison de toute façon. Donc, en bout de ligne, la petite différence de prix, qui est quand même 50% du prix de l'essence à peu près, c'est négligeable. On peut quasiment l'ignorer dans nos calculs, puis on rentre dans notre argent de toute façon. Il y a aussi d'autres dépenses en moins, au-delà du prix de l'électricité qui est moins cher versus l'essence. Il y a moins d'entretien sur un véhicule 100% électrique. En fait, le seul entretien qui est recommandé, c'est l'entretien des freins une fois par année, principalement parce qu'ils sont moins utilisés à cause du freinage régénératif. Donc, ils risquent de rouiller puis de pogner dans la rouille. Donc, si vous voulez être certain que vos freins durent plus longtemps, chose qu'ils peuvent faire en théorie, en fait, sur un véhicule électrique où ce que les freins ont été bien entretenus et avec une certaine dose de change, justement, pour pas que la corrosion s'en mêle trop, les freins de votre véhicule vont quasiment durer la vie de votre véhicule. Peut-être un 200 000 km. Alors qu'un véhicule à essence, c'est être changé aux 60 à 100 000 km, tout dépendant des modèles et tout dépendant comment que vous êtes vous freinez de façon forte à la dernière minute. Il y a d'autres petits avantages aussi au niveau du gouvernement. Ils nous offrent le paiement gratuit pour le pont de la 19 et de la 30. Par exemple, il faut aller chercher le transpondeur. Parce que si vous passez sans transpondeur, vous allez payer le même prix que tout le monde. Mais si vous prenez le temps d'aller vous chercher un transpondeur spécial qui est associé à votre véhicule électrique, bien, ça vous coûte un beau zéro utiliser ces ponts-là. Également, les traversiers au Québec sous juridiction provinciale, ils sont également gratuits pour le véhicule. Peut-être une petite dépense de plus, c'est l'installation de la borne. Mais comme j'ai dit, une fois la subvention qui est là, ça revient peut-être à peu près à 1 000 $, même pas, tout dépendant du modèle de borne, combien d'électriciens que ça vous coûte. Puis ça, bien, c'est bon pour très longtemps par la suite. Puis, de toute façon, vous sauvez plein d'autres argent. Je n'avais pas compté tantôt justement sur l'entretien, justement aller traverser les ponts. Puis... Donc, maintenant, c'est bien beau avoir un véhicule, c'est bien beau qu'on peut se le payer, mais est-ce qu'il y en a pour mes besoins? En gros, en 2012, on était moins chanceux. Il y en avait 4. Fait que, faut avoir des besoins qui fitaient dans ces 4 véhicules-là ou des goûts qui fitaient dans ces 4 véhicules-là si on voulait pouvoir un véhicule pour nos besoins. Maintenant, on est plus chanceux. Il y en a 56. Ou il y a des prévisions qui sortent d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, mais on peut quasiment considérer qu'ils sont là. Si on fait le survol vite, bon, ici, on a Audi et BMW qui ont chacun leur gamme d'hybrides rechargeables de 100% électrique. On parle d'auto effectivement un peu plus dispendieuse, un peu plus luxueuse. Mais après ça, on arrive ici, je vais en ordre alphabétique en passant. On a Chevrolet, justement, avec la Bolt, que justement tantôt, on regardait dans le comparatif. Ça, c'est la Bolt Co et la Bolt EUV. Les deux sont très similaires, mais ils ont une petite différence. On a ici une minivan. Donc, si vous avez besoin d'une minivan 7 passagers pour transporter beaucoup de personnes, c'est une hybride rechargeable, mais qui a quand même une autonomie électrique fort acceptable. Puis, si elle est bien utilisée au niveau autonomie, vous allez à peine avoir besoin de quelques litres au 100 km sur la durée moyenne du véhicule.
Il y a Ford qui commence également à avoir des autonomies, des alternatives ou des choix électriques intéressants. En principal, la Mustang Mach-E, un véhicule 100% électrique avec une très bonne autonomie, performance, confort et tout. Et il y a le Ford F-150 Lightning, 100% électrique aussi, qui s'en vient d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, qui nous promettent, avec des prix très... Bon, certains que c'est un pick-up, c'est jamais donné, là. Mais justement, si on compare électrique versus essence, il n'y a pas grande différence de prix. Puis une fois qu'on compte l'essence, puis on s'entend qu'un pick-up, ça prend bien de l'essence, si vous rentrez dans votre argent dans le temps de le dire, puis on ne parlera même pas de l'environnement, c'est évident. Il y a également Hyundai puis Kia, parce que qui dit Hyundai dit Kia. Les deux ont des très bonnes... offres de véhicules soit 100% électriques ou hybrides rechargeables. Des alternatives très intéressantes dans les deux cas. Puis les deux se complètent très bien. On dirait que ça arrange souvent pour quasiment pas se faire de compétition trop, trop directe. Fait que les deux ensemble ont une très bonne couverture dans les modèles et les choix. Et c'est Kia Hyundai, donc les prix sont malgré tout abordables et acceptables. Il y a Mini qui fait des petites autos qui peuvent être intéressantes pour les milieux un peu plus urbains. Il y a la Cooper ici qui est hybride rechargeable avec une petite autonomie électrique. Mais il y a ici la deux portes, la Mini, je ne me rappelle plus exactement son nom, la Mini 3E, je pense, quelque chose dans le style. Elle a une autonomie électrique, somme toute, je pense, d'à peu près 200 km, 170-200 km. Ce n'est pas énorme, mais une fois de plus, pour un véhicule en ville, que vous faites principalement de la ville avec, que vous voulez pouvoir stationner n'importe où, que vous voulez une petite conduite intéressante, sportive, très nerveuse, c'est un véhicule très intéressant. À l'opposé de ce petit véhicule-là, il y a le Mitsubishi Outlander hybride rechargeable qui a une autonomie électrique quand même fort acceptable puis qui est très populaire au Québec. Ça en vend beaucoup. De façon générale, le monde les aime bien. Il y a la Nissan Leaf, véhicule 100% électrique, une des pionnières qui est là depuis le début puis qui est encore présente sur nos routes et qui est encore disponible autant dans l'usager vu qu'elle est là depuis le début que dans le neuf. Certains que les usagers ont une autonomie un peu plus petite, mais justement, comme vous êtes tantôt, il y a des cas qui peuvent être intéressants d'avoir un véhicule avec une plus petite autonomie. Il y a également Polestar, une nouvelle compagnie qui fait des véhicules un peu plus de luxe, ainsi que Porsche qui fait des hybrides rechargeables ou 100% électriques. Tesla que tout le monde connaît. Rivian, en haut ici, là, ça c'est Rivian, qui vont aussi faire des pick-up et des SUV pleine grandeur 100% électriques. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils devraient arriver d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine aussi. Puis finalement, il y a aussi Toyota dans les véhicules très populaires sur nos routes. Ils ont tardé un peu au niveau de l'électrique, puis même en fait, ils n'ont toujours pas de 100% électrique, mais ils ont de très bons hybrides rechargeables. La Prius Prime, qu'on a vu tantôt dans notre comparatif, et le RAV4 Prime, qui est un... c'est un RAV4. Tout le monde sait c'est quoi un RAV4. Il y a Volkswagen aussi qui vont bientôt offrir le ID.4, qui est un multisegment VUS, qui va être à un prix très abordable. Donc, il pourrait être une alternative intéressante pour quelqu'un qui se cherche un véhicule dans ce style-là. Les critères à tenir en compte au niveau du choix d'un véhicule électrique, c'est à peu près les mêmes qu'un véhicule à essence. Le format, l'espace, les différentes caractéristiques que vous avez besoin. Évidemment, le budget, on ne s'en sort pas. Peut-être une petite différence avec les véhicules à essence. D'habitude, un véhicule à essence, on regarde la consommation d'essence. Au niveau d'un véhicule électrique, on va plutôt regarder l'autonomie. Et comme je disais aussi tantôt, au niveau de l'autonomie, c'est bon de s'assurer de tenir en compte l'hiver au niveau de vos besoins d'autonomie. Aussi, si pour vous, la recharge rapide sur les longs trajets est importante, regardez pour y aller vers un modèle qui a une recharge rapide qui est plus rapide. Et il y a également de plus en plus de véhicules électriques dans l'usager. Donc, si vous voulez des bons prix, l'usager, que ce soit électrique ou à essence, il y a déjà une bonne partie de la dépréciation qui a été faite. L'usager, c'est la destination pour le meilleur rapport qualité-prix. Il y a, si on veut, quelques endroits qui se spécialisent dans le 100% électrique. Proche de chez nous, à Laval, il y a Montréal Autoprix, qui est à Montréal, Division électrique. Donc, ils ont vraiment beaucoup de choix électriques. Montréal Autoprix, ça rentre et ça sort. C'est pas des véhicules qui restent là longtemps. Mais si vous en voyez un qui font votre affaire, ils en ont vraiment une gamme intéressante. Plus, ils s'y connaissent dans l'électrique. JN Auto à Richemont, qui est un partenaire de l'AVEC, qui ont beaucoup d'électriques, justement, et qui se connaissent également très bien, qui vont très bien pouvoir vous renseigner. Et Simon André, véhicule électrique à Trois-Rivières. C'est là, d'ailleurs, que j'ai acheté ma Soul 2016, que j'ai acheté en juillet 2018. J'ai été lâché là. Super service. Ils s'y connaissent très bien. Ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et de plus en plus, on peut les retrouver dans n'importe quel concessionnaire qui vend l'usager.
C'est juste, par exemple, tout dépendant c'est avec qui le vendeur avec qui vous parlez, ça se peut qu'ils se connaissent un peu moins. Donc, peut-être qu'il va très bien se connaître, mais il y en a certains qui se connaissent un peu moins. Vous aussi, envisagé, je pense qu'il y a certains concessionnaires Chevrolet, Gravel à Montréal ou Bourgeois à Rawdon qui font beaucoup d'électrique dans le neuf, donc ils se connaissent aussi beaucoup dans l'électrique usagée. Puis ils vont avoir aussi un peu d'autres choses que du GM. Y a-t-il d'autres avantages pour les véhicules électriques? On va essayer de faire ça vite, parce que j'ai passé mon 45 minutes. Il y a plein d'autres avantages, on y va vite, vite. C'est silencieux, c'est performant. D'ailleurs, le véhicule le plus performant en termes d'accélération de 0 à 100 sur les routes en ce moment est un véhicule électrique. Tenue de route beaucoup plus solide qu'un véhicule à essence. Confort, c'est doux, il n'y a pas de changement de vitesse, pas de vibration, rien. Vous partez le matin avec une batterie pleine à chaque matin, pas besoin de faire de détour pour aller mettre de l'essence, vous êtes toujours plein le matin. Vous pouvez préchauffer, préclimatiser votre auto l'hiver ou l'été sans culpabilité d'utiliser de l'essence. Vous pouvez utiliser notre électricité propre du Québec. Puis aussi, de plus en plus de modèles sont idéaux pour le cinéparc. Par ça, je veux dire, les programmes doubles au cinéparc. L'auto va automatiquement recharger la petite batterie de 12 volts à partir de la grosse batterie de l'auto. Donc, vous pourriez même rester au cinéparc pendant des jours sans manquer de batterie. Ce n'est pas un souci. Donc, il y a plein de petits avantages aussi là, qui sont par rapport aux véhicules à essence. Si on regarde au niveau de l'information, il y a plein de sites où vous pouvez trouver plein d'informations. Je ne peux faire autrement que vous référer le premier site qui est le site de l'AVEC, www.aveq.ca. Il y a plein d'informations. Il y a également des forums où vous pouvez poser des questions. Il y a différentes brochures, différents livres où on peut voir toutes ces adresses-là. Donc, c'est à peu près ça et on arriverait aux questions.